Je ne suis pas rasta, je ne connais pas Dja Dja. Je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja. Quand bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit à le bol de passer pour un marginal, car je chante le reggae, car mon look n'est pas banal, ras le bol d'être qualifié de drogué, car avec Marie-Jeanne, à l'occasion, j'aime danser. Assez d'hypocrisie, le paraître et l'avoir, voilà ce qui compte aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, l'être humain se méfie de ce qui est différent, mais on ne juge pas un homme à la couleur de sa peau, à sa taille, à son poids, à l'éloquence de ses propos. On ne juge pas un homme à ce qu'il porte sur le dos, à son dieu, à ses thunes, à l'importance de son ego. Pour connaître les gens, il faut prendre le temps, découvrir lentement tout ce qui se cache en dedans, de l'amour, de la haine et des souvenirs d'enfant, de la joie, de la peine, de la musique évidemment.